Salut les viewers et les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Borderlands 2. Comme vous voyez, on est toujours dans la section de la mort, parce qu'en fait il y a d'autres quêtes à faire dans le coin, donc c'est cool. Donc on va aller les récupérer, on va aller les faire, et on va aller souffrir, ensemble, tous ensemble. Je crois qu'il y en a une autre ailleurs, je sais plus où exactement, voilà, non ça c'est la mission. Je crois que c'est notre mission ça, c'est pas la mission en question. Et donc ça m'a permis en fait de m'entraîner un petit peu, j'ai joué quoi, genre une demi-heure, trois quarts d'heure. Et vous voyez que j'ai pas gagné autant d'XP que ça parce qu'en fait ils sont très balèzes. Du coup ce jeu est plus proche d'un survival... Survival game, voilà. Pensez à baisser le son de ton micro-casque. Voilà. Par contre, il loot un peu beaucoup d'équipement, ce qui est toujours une très bonne chose. À la fond. Merci. Donc du coup, j'ai dû me faire 600 000 à un moment, mais je suis mort plein de fois. Du coup, bah voilà. Voilà, voilà. Parce qu'il faut savoir que bien sûr, elles sont de retour. Hein. Ce qui veut dire que normalement quelque part j'ai un... Voilà. Et vous voyez, c'est toujours aussi génial. J'ai que 3 balles dans le chargeur, hein, c'est chiant. Et je pourrais lui tirer dessus par exemple. Hein. Mais je vois pas pourquoi je le ferais. J'ai un fusil de précision. C'est pas fait pour. Je l'ai touché. Oh mon dieu. Comment cela est-il possible? Ouh. Le pauvre. Je sais pas ce que j'ai fait pour qu'il prenne autant de dégâts, mais... Et il me pousse en plus. Pas autre chose. Et même en visant la partie la plus grosse, hein... J'en chie. Bon, ça c'est fait. Maintenant, il y a l'autre toutoune là, qui est juste là. Raté. 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 Du coup, vous voyez que c'est très efficace, hein, j'adore ce jeu. C'est marrant, hein. Fusil de précision versus... J'aimerais bien que tu brûles un peu. Ça a failli. Le problème, c'est que là, je vais avoir les deux. Ça c'est un brutal, ok très bien. Bah finalement on s'en va. Donc voilà, cette zone n'est pas dure du tout, hein. Absolument pas, c'est dans vos têtes. Vous imaginez l'angle de tir qu'elle a, la précision de ce truc, à cette distance? Sérieusement? Ça fait déjà 3 heures que j'ai ouvert le feu. Putain, j'ai réussi à toucher. Non, pas cette fois-ci. Donc je mets à peu près une balle sur 6. C'est cool. Avec un fusil de sniper. Pourquoi je vise... Pourquoi je veux viser dessus, vous voyez je... Ça, c'est pas normal. Je préfère être sûr d'abord. Ça va peut-être les faire venir, ça, maintenant. Allez! Pas plus que ça. Ah, j'ai entendu un j'attaque. Il est venu, il est reparti. Ok, lui, je l'ai eu. C'est juste d'appliquer l'effet sur le mec, mais j'ai du mal. On va essayer avec ça. Elle est plus précise qu'un fusil de sniper. Par contre, je prends toujours autant de dégâts. Oh, c'est la chienlit.
Ah, puis le shield, il est pas long. Du tout à régène. Pourquoi j'ai l'impression qu'on me contourne? Je sais pas où sont passées mes balles. Ah, ça se rapproche. Ah! Bah alors, on fond? Y'a un truc qui me bloque! C'est toi? Apparemment, j'ai tué quelqu'un. Alors, voyons voir. Vous la voyez, vous? Ah oui. Non, mais. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est pas possible qu'elle me touche. J'ai plus de chances qu'elle me touche que je ne la touche. C'est pas normal quand même, on est d'accord. Hein. Parce que je veux savoir si ça vient de moi ou si ça vient d'autre chose. Ça vient peut-être de moi. Hein. Peut-être de ma maîtrise en sniper qui est pas bonne. Là, le fait que je marche sur des trucs que je pourrais enjamber sans souci mais que je ne peux pas et donc que je vais potentiellement décéder. Ça m'énerve. Pardon, mais... Et tenter un truc, je vais essayer de chercher des grenades dans cette boîte s'il y en a. Il y en a une. Mais bon. T'es jamais tranquille dans le jeu, du coup tu gaspilles des grenades pour rien. Pour rien, tout est relatif, hein, ils m'ont mis quand même à... Ah bah attends, je vais décéder. Ouais. Bah oui. Attendez, parce qu'il prend, il prend cher lui là-bas. Hein. Peut-être que... Voilà. Merci d'être mort. Merde. Pas le meilleur moment, ça. Les dégâts qu'ils me mettent, c'est insane. Putain. J'ai réussi à appliquer le dot. Décède, décède. J'ai deux niveaux de plus qu'eux. Hein. Je tiens à le rappeler. Oh bah il m'a lâché un légendaire par contre. Cool. Bon, un légendaire Maliwan donc. C'est pas vraiment le genre de choses que je recherche mais. Alors légendaire Maliwan que tu m'as lâché. Ok. Alors ça c'est intéressant. C'est équipé instantanément. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il peut appliquer le comment le. Le comment, l'effet élémental tout en faisant énormément de dégâts et en restant, ma foi, à mon avis, assez précis. Et ça, c'est ce qu'on va tester de suite. Si Brick arrive un jour à monter là-dessus. Ah bah voilà mon sniper! Incroyable. J'ai l'impression que le... Non, c'est bon. Ouais. Là, ça a été un peu plus short. Oh là 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 là, ça y est, on a trouvé une arme qui est potable. Wouh! Faites du slip! Bon, il y a du bleu. Il y a un bouclier. J'ai pas vu la marque du bouclier, j'aurais dû faire attention. J'ai pas vu, j'ai pas fait attention, j'ai pas retrouvé, j'ai pas su le retrouver. Dans le truc. Ok. On a une arme. On a une arme, on a une arme, on a une arme. Si ça, c'est pas la fête du slip. Pipilipipi. 560, 57. Bah écoute, je prends. Ça fait pas du bien. Enfin une arme qui fait pas du bien aux ennemis, quoi. Ouh. Ok. Bon.
On touche à quelque chose. Ça n'a que 2 balles dans le chargeur, mais qu'est-ce que ça fait mal. Quand tu touches. Ok, je vais appliquer les dots. Vous voyez que ça fait ultra mal. Hop les. Voilà. Ah, je l'ai raté. Je m'en doutais que j'allais le rater. Je sais pas pourquoi. Il était tout seul. Parce qu'elle a pris la brutasse. Ouh. 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 Danger. Danger qui persiste. Danger qui persiste toujours. Ok, je lui ai enlevé son chien dans une seule balle. Ok, là tu décèdes. Merci, tu peux pas me lâcher un légendaire comme ton pote ? Malheureusement non, mais bon. Ok, c'était rouge ça. Résiste au feu, d'accord. J'ai réussi à éternuer, j'ai dû faire une coupure montage normalement si j'étais quelqu'un de bien. Oh. Ça remonte tellement. Voilà, niveau 7 en pistole. Bon, j'ai pas réussi à l'avoir. Tu me saoules. Des fois que tu l'as pas compris. Des munitions. On va aller en prendre le temps qu'on régène. Ok, bon. On a une arme qui est bien. Ça faisait longtemps. Elle n'est que de niveau 25. Ok, je te vois. Toi aussi je te vois d'ailleurs au passage. Il devrait fondre à mort, non? Pourquoi 5000? Défi misanthrope, d'accord. C'est plus précis qu'un sniper. Ça s'est pété. Je suis plein, merde. Alors demain pour moi j'aurai du... Alors pour vous aujourd'hui hein, mais... non pardon, non pour vous ce sera hier. On aurait eu du contenu sur Borderlands 3 que j'ai vraiment hâte de jouer. Si vous saviez. Et plus je regarde de contenu sur Borderlands 3, plus je me dis que je vais faire le Borderlands 2... en let's play. Ça j'aurais fait Borderlands 1, Borderlands 2 et Borderlands The Pre-Sequel sur la chaîne, qui est très très vieux, Borderlands The Pre-Sequel, hein, je crois que c'est 2014. Ça me rajeunit pas, ça rajeunit pas la chaîne non plus. Une chose est sûre, c'est que j'en avais pas chié autant. Lui devrait être mort. Il l'est maintenant, c'est sûr. Touché, t'es morte. Comment ça, non? Et l'effet élémentaire? Voilà! C'est quoi ça? C'est une brutasse. Ok. J'essaie de voir à quel point il est précis, mais... il l'est quand même pas mal. Je vise le casque. Ah, ça touche. Après, avec ce genre d'arme, il vaut mieux balancer le... comment, le proc, le comment, l'effet élémentaire. Et c'est pour ça qu'on a de la chance, c'est une Maliwan. Qu'est-ce qui m'a tué? Non, honnêtement, qu'est-ce qui m'a tué? Qu'est-ce qui fait ça? Non, je veux pas monter dessus, je veux me coucher à côté, mais bon, pour l'instant, je peux pas me coucher. Il y a un truc qui fait des dégâts explosifs. En quantité incroyable. Non, ça c'est mes...
Très bien. La Brutas, elle est eue? On l'a eu. Très bien. Ok. Ça doit être lui qui doit faire les dégâts explosifs. Il a réussi à me shooter avec ses dégâts explosifs à travers le... Enfin, ça, c'est le truc que l'IA, elle sait faire. Allez, viens! Hop, allez, fond! Moi aussi, je fonds pour toi! Allez! Décède! C'est bon. Ouh. Il est bien ce pistolet, hein. Par contre, on est déjà à moitié de munitions, quoi. Ouh, je vois du bleu. Transfusion. Allez, allez, allez! Juste ce qu'il me fallait. Ça, c'est pas mal déjà. Ouh! Hunter Shotgun. Je sais pas ce que c'est le Hunter en. Par contre, 65. Quand même 65. Techniquement, il fait plus de dégâts que celui-là. Mais bon, celui-là, il a le proc. Il va me falloir des munitions de pistoles, par contre, à foison. Ok, j'en ai eu quelques-unes. Non, même pas. Grande capacité, pourtant, il fait moins bien que le mien. Très bien. Du pognon, ça, c'est cool aussi. Je ne dis pas non. On peut toujours pas faire la mission du claptrap, c'est-à-dire qu'il faudra qu'on revienne ici. C'est cool pour l'XP. Cherche à trouver un point positif. J'y peux rien. C'est dans ma nature. Ça c'est quoi? Rechargement rapide, par contre il a pas de capacité. Dans le sens, il n'a pas la capacité de résister. Vous voyez, la capacité d'un... Enfin, bah, vous voyez ce que je veux dire quoi, merde. Ils sont intelligents, mais mes viewers ils sont intelligents. Pour certains. Pas si Joe. Raylene Renault, ça passe encore, mais pas si Joe. Toujours pas. Ouh. On va virer un truc blanc. Genre ça. Pas grave. Je vais récupérer ça par principe. J'aimerais bien qu'il y ait de la modification d'armes dans ce jeu. Ce serait tellement pété. Bah alors, je te fais fondre. Hop là. Donc il est toujours pas là pour sa quéquette. 12 balles dans le chargeur, ça m'intéresse pas. Même si j'avoue, je commence à me poser la question, est-ce que les 12 balles dans le chargeur rendent pas l'arme... plus précise. Ça m'intrigue. Il va fondre. C'est ça en fait, l'attrait de ces armes, c'est qu'elles font fondre l'adversaire, ce qui est très très bien. Mais aussi, autre petite chose, comment plus tu l'appliques, plus ça fait de dégâts, j'ai l'impression. C'est dans ma tête, hein, mais peut-être. Hein. Ça me semble logique sur papier, mais... Et donc du coup, t'as tendance à avoir envie de le jouer sans finir l'adversaire. C'est-à-dire, vous voyez, tu vas le laisser fondre comme ça. Hop. Ce qui est tout autant une prise de risque de... Juste pour voir. Pardon, j'avais qu'une balle dans le chargeur, j'étais un petit peu gourmand. Ah, ça me saoule. Oh non, c'est pas précis comme arme quoi. Tout simplement pas précis. Ok. Alors je t'entends, mais je ne te vois pas. Pardon. T'as pas fondu ? Alors toi le critique tu l'as senti. Alors ça c'est un problème. Mais ça passe. Putain il est là. Ok. Ça y est, ça commence à se faire. Commence à réussir à m'en sortir. Grâce à ce gun, hein, y a pas autre chose qui me maintient en vie. Hein. Oh, des munitions. Je t'entends, mais je te vois pas, c'est dommage. Ça dit, je suis tranquille comme ça. Je peux looter un peu et tout. Alors.
Et aussi, il me reste un endroit à aller. Ouais. C'est où? Vous êtes tout au-dessus, mais... Ah, oh, je vais aller le chercher parce qu'il m'énerve à causer. Attité Cosette. Hein. Mais... Ils sont deux. Oh, ce gun. Ce gun. Fait plaisir. Je vais aller vendre mes objets de merde. Mais alors ce gun, qu'est-ce qui fait du bien? Oh, oh là là. Je te garde juste au cas où. 36 balles en chargeur, ça pourrait être intéressant. Glorious Avog de niveau 28. Glorious Avog, c'est ce que j'aimais bien. Hein. De mémoire. Faut que je la compare avec l'autre. En toi par contre, je peux te virer officiellement. Ah bah non, pardon, c'est pas celui-là. Ok. Très bien. Je vais comparer la Glorious Avog que j'avais ou pas. En tout cas ça, qui est niveau 19. Et surtout ça. 74. Celle-là faisait 50. Ok, ça m'intéresse moi. Elle mène apparemment fait plus de dégâts, mais... La cadence de tir est supérieure. Ah, celle-là doit être mieux. Celle-là doit être mieux. De toute façon, on va le savoir de suite. Hein. Ok. Enfin, si on se fait agresser, mais je pense qu'on va se faire agresser par quelque chose. Je sais pas pourquoi. Je le sens bien. Genre, j'ouvre ça et il y a personne. D'accord, très bien. Bon bah, juste de chercher le X. Aller au Dal Headlands et récupérer le trésor des bandits. D'accord, c'est pas pour tout de suite, ça. Très bien. Bon, on en a presque fini avec cette région. Il restera la quête du Claptrap à faire, mais qui n'est pas disponible pour le moment. Mais ça, c'est fait. Pouh, on a level up. Cool. Parce que j'ai vraiment besoin de ça. Ça, ça c'est de la résistance en plus. C'est nécessaire. Pouh. Bon. Allez, on sort de cette région maudite. Ok. Et on est bon. Ouah, cette région, c'était quand même la mort. Ah oui, il y a un piston dans le coin. Je me rappelle de ce truc. Là, regardez. Blum. Oh oh. Il y a des ennemis. Mais bon, ça c'est pas grave. On va aller juste au machin à voiture qui est je sais pas où d'ailleurs. C'est pas des racks. Bon, écoute. Par contre, est-ce qu'ils vont me voir du coup ou... Cool les copains. Non, ils m'ont pas vu. C'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble à une quête. Ah, d'accord. On a quand même une chier de quête à faire dans la région. On va aller prendre une voiture. On va aller checker les plus proches. Ouais, c'est scooter. C'est parti. Mon baroudeur fait peut-être pas de... Hop là. Ok. Alors ça. Ça, c'est là-bas. D'accord, très bien. Ça. Ça, c'est ici. Et pas très 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 loin. Et ça. Ça, c'est en bas. Ok, donc on va commencer par celle-là. L'hôtel 3 étoiles. Hop, on passe par la route. Hein. Ah, t'étais grosse, toi. Pardon, hein, mais... T'étais Maus. Ok. Très bien. Salut. Je viens pour un sondage, je viens vous vendre des tapis, tout ça. Pas une caisse par là? Moi je serais un développeur, j'aurais mis une caisse ou un passage secret par là. Ni l'un, ni l'autre, juste une poubelle. Très bien, merci les devs, sympa. Oh cool. Merci beaucoup. Ok, ça, ça me parle par contre cet endroit. C'est stylé. On est parti. A que cucu. Ah! Bon, la précision. Ça fait mal, ça.
La précision est à chier. On fait face à des niveaux 27 aussi au passage. 28. Ok, lui aussi il est là. Très bien. Ah merde, je recharge, 2 secondes. Ah, je déteste quand tu dis ça. Ok. Ah voilà, j'ai les prospectus. Génial. Bon, elle a été efficace l'arme quand même, on va pas revenir là-dessus, elle a fait le taf. Fait plaisir à papa. Un truc qui tire pas droit et un truc qui... Bon bah... C'est quoi? On va faire mieux que ça. Il y a un vendeur à côté. Tu vends des boucliers, hein? D'accord. Bouclier de merde. Pas grave. Je t'en veux pas. Un peu, mais... C'est pas grave. Ne jamais dire non à du pognon. Alors qu'est-ce que je garde? Ça par exemple, niveau 19. Je m'en bats les couilles. Ça. Ça c'est le sledge. Ah, niveau 13. Hop, au revoir. Chrome, niveau 23. Niveau 22. Niveau 22. Merde. Pardon. Et celui-là aussi, il est niveau 22. Bah merde, alors, tant pis. Ça, ça... Pff, il est niveau 28, je vais le garder, je suis obligé. Plus, c'était mes armes équipées, donc... J'avais plutôt intérêt à le garder. Ok. Pas de skag qui sort du trou. Plutôt une bonne nouvelle. Merci. On est bon. Allez. Munitions, c'est bon, parfait. On continue. On va bien finir par s'en sortir. On commence à s'en sortir. Faut un minimum 4 niveaux de plus pour réussir à faire des choses sympas. Pourtant j'en fais des missions secondaires, je veux dire, merde. Alors, un peu plus proche, il y avait un problème d'insectes de mémoire. Non, c'est une caisse de munitions, je crois que c'était une caisse d'armes. J'ai failli m'arrêter. Boum, t'apprendras le Brutas. Non, mais t'es sérieux? J'ai pas aimé, la musique a changé. Non mais, arrête! Ok. C'est une brutasse de feu, non? Voilà. Parfait. Hop là. La reine, elle y passe aussi. Ok, on va aller régénérer un petit peu la machine, parce que sinon... On n'est pas bon. Ok, allez. C'est bon? Non, il y a quelque chose. Qu'est-ce que c'est que cette... Merde! Direct le mec qui sort l'arme OP. Il est pas tant que ça. Elle est pas ultra agressive non plus. Ou alors c'est parce qu'elle fond. Elle fond. Oh, c'est dommage. Non, il y avait un boss aussi là-haut. Merde. À tous les coups, là où j'étais, il y avait un boss. Non. Non, 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 autant pour moi. Rest Common West. Quoi, elle serait là-bas? D'accord, très bien. Bon bah, on va aller voir l'autre. Hein.
Nice. Bon bah le boss a été un petit peu buggé. Alors je sais pas si c'est du bug, parce que le problème c'est que de mémoire, vous voyez, ils ont des espèces de comportements, on va dire. Et du coup, je sais que ces comportements-là sont différents en cas de brûlure, slash autre chose, donc... En tout cas, dans les autres, je suis persuadé aussi que dans celui-là, c'est pareil. Mais bon, on verra bien. On verra... Pas comme ça que je voulais que tu grimpes là. J'ai réussi à faire un truc. Hein. Je me suis rattrapé, mais c'était pas terrible. Ok, on est juste à côté en plus. Que demande le peuple? Ouh. Salut. Peace off. Avec un S à peace. D'accord, ok, très bien. Je vous respecte même plus. Ce matin... Un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui... C'était un lapin qui avait un fusil. Pan pan. Pourquoi je l'entends sur ma gauche? Genre t'es pas mort. Ah, cette vexation. Voilà. Ça c'est dommage. Allez fond. Il veut pas fondre. Va au bout de tes pensées. Finis les choses que tu commences. Fonds jusqu'au bout. Vu que je suis assis dessus, il y a peu de chances qu'il soit ailleurs. 1200, nice. Ça vaut le coup de le buter, lui. Alors lui, je sais pas où il est. Je crois que je l'ai trouvé. Très bien. La balise est activée, la deuxième balise est plus au sud. Alors j'en préfère qu'il m'affiche l'autre d'abord. Un peu débile. Peut-être avoir ouvert un coffre ou n'importe quoi, je sais pas. Non mais, en tout cas, il y en avait un juste ici. C'est quoi? C'est pas terrible, mais bon. On a de l'espace, on va le prendre. Très bien. Vérifions si on a quelques munitions à récupérer. Oui, parfait. On avait une caisse de munitions là-bas aussi, mais bon, pas quitte. Fuck it, on a reçu 6 balles de revolver, on est donc paré à toute éventualité. Je vais retourner dans le sud par contre de la map, c'est chiant. Ah, je l'ai raté. C'est vexant. Tu rates ton ennemi. Tu te sens mal après, tu te dis merde, il va rester tout seul. Alors ça a l'air d'être une grande zone. Je veux dire, il y a l'air d'avoir un long couloir pour y arriver. Hein. Ah bah oui, c'est cette ville là, non? Non, même pas. Même pas là où j'étais la dernière fois avec l'espèce d'église. J'ai pas raté ça. Il ressemble un peu, hein. Non, ça doit pas être ça. Ça ne peut pas être ça. Eh, ça a l'air d'être ça, hein. Non, non, c'est pas ça. Autant pour moi. Hop là. Bloc. Laissez-moi rouler. Laissez-moi. Oh merde. Oh, le virage était trop serré. C'est bon, tout va bien. C'est quand même un des rares jours où ça peut arriver. On sent que c'est Scooter qui fait les véhicules. C'est un peu bancal. Ah, bancal. Non, tout seul sur ce coup-là. Ok, merci. Non mais lol, elle est passée où celle-là? Merci. Aïe. Tu vas saigner.
Ouais, je me disais bien aussi qu'il y avait une brutasse dans le coin. Tu veux pas déclencher l'effet? Parfait. Il y a plusieurs brutasses. Elle est où? Ok. Aouh. Pardon, Star-Lord. Ok, des caisses de munitions, c'est un peu... dégueulasse, mais bon. Ah, voilà, je me disais aussi. Quand même. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Du caca avec un petit peu de caca supplémentaire. Y'a pas un ennemi à 2 secondes. Bon bah écoute. Moi j'aurais juré qu'il y en avait un, hein, honnêtement. Si j'ai fait le tour du truc, c'est pas pour rien quoi. Enfin bon. Très bien. Faut-tu en donner du caca comme ça, ça me plaît. J'adore le caca. y a pas de... y a un véhicule là-bas, si je veux. Hop là. Très bien. C'est mon bouclier qui prend les dégâts, c'est pas très logique mais. Mais why the fuck not? Comme ça je gagne le temps d'avoir fait tout le tour en fait. Je sais pas si overall on va en gagner suffisamment pour que ce soit rentable mais. Puis apparemment j'ai des quêtes à rendre ici, je vais en profiter au passage. Hop. Vu que c'est juste là-haut. C'est juste là-haut comme je viens de le dire. J'ai vu un escalier, je me suis dit ça va être là mais non. Ah. Hop. Ok, ça c'est fait. Oh merde, il y en a encore. Les monstres sans dieu. Ok, non par contre j'ai dit que je voulais une voiture maintenant. Arrange la bagnole. Faut y aller. Là la connerie à pas faire c'est se téléporter sur le véhicule qui était garé là-bas. Ça aurait été dommage. Alors par contre on avait une autre mission à faire dans le sud, que j'ai toujours pas faite. On va aller chercher ce monstre d'abord, Slicer. Slicer, arrête de slicer. Slicer. Arrête de slicer. Bah. Je cherche, je cherche. Ah, c'est dans la fameuse zone à la con avec le... D'accord. Ok. Ça tombe bien, j'ai une arme un peu pétée pour un boss, ça peut être sympa. Ok, Slicer. Slice, s'il te plaît. Slytherin. Non, c'est nul. What? What? C'est toi, Slither? Mais je... D'accord, le... Faut vraiment que je pense à enlever... Le... Pourquoi ça peut pas être que lui? Pourquoi c'est que lui? Vous savez faire. Bon bah très bien. Bon, c'est un peu vexant hein mais... Tout ça pour ça? Oh je pense qu'il va y avoir une troisième quête derrière. Tous les coups. Vous savez quoi? On va s'arrêter à nouveau au même endroit, on va la prendre. Et on verra par la suite. Mais à tous les coups il va y avoir une autre quête. Il y a 99,9% de chance. Ça peut pas être le boss final de cette suite de quêtes, c'est pas possible. ce serait triste. Non, sérieusement, ce serait vraiment triste. Allez. C'est là. Alors, dis-moi que j'ai raison. Apparemment non, hein. Parfois j'oublie de recharger. Ok, non c'était bien la dernière. Très bien. C'est... Point de repère atteint. Oui. Mais c'est dommage.
Je sais pas quoi dire d'autre, honnêtement. Attendez un truc un peu plus gros à la fin. Bizarre, je vois mon ombre à droite, ça, je suis pas encore tout à fait habitué. D'ailleurs, quand je bouge, ça fait bugger le... la caméra. Et le fond vert. Voilà. Heureusement que je regarde. Hein? Ok. Direction le sud. On dirait le sud. Non? Non, c'est pas le sud. Ah non, c'est vrai, c'est le nord. Pardon, autant pour moi. Le temps dure longtemps. Ça me rassure pas, ce fond vert. Du coup. Maintenant que j'ai vu qu'il a bugué une fois, je vais regarder tout le temps pour éviter qu'il bug deux fois, mais... Je sais même pas pourquoi il a bugué. Ah, c'est parce que j'ai fait passer la lumière, regardez. Devant moi. Et du coup, il bug. Fais disparaître le reste, s'il te plaît. Ah bah maintenant, voilà, je l'ai bugué. Je l'ai tué. J'ai tué le fond vert. Hop. J'ai tué le fond vert. Merde! Cool, je savais pas que je pouvais faire passer les voitures dedans. Ah putain, mais oui, bien sûr. Parce que j'ai déclenché le... Non. Ça, par contre, ça va être la merde. Voilà, ça va être la merde. Parce que j'ai déclenché le boss et que je l'ai pas tué, il est pas apparu. Du coup, le jeu vient de me faire sortir et rentrer dans la zone pour réactiver le truc. Oh là 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 là. Et la voiture, c'est où déjà? C'est là. Bon, c'est... C'est les mécaniques de jeu qu'on avait il y a quelques années, hein, il y a une quinzaine, vingtaine d'années. Quinzaine d'années, on va dire. D'ailleurs, j'ai regardé à nouveau les... Oula, c'est pas par là. Les... bandes-annonces, on va dire, de... De Borderlands 3, en me disant que si ça se trouve, en fait, quand on voit la clé de l'arche, on s'en rend pas compte, ça sera peut-être comme dans Diablo. C'est-à-dire que, comme dans Diablo, on pourra avoir moult clés et ouvrir moult arches. Pas forcément de manière procédurale dedans, mais peut-être, qui sait. Et ça pourrait être vachement intéressant sur le papier. Ok, elle est là. Ok, elle est morte. Très bien, très bien, très bien. Tout ça pour ça. C'était nul. Ah par contre elle m'a mis masse dégâts au passage. Il y a une caisse d'armes là-haut. Caisse d'armes là-haut. Ça c'est intéressant. Ça c'est bien. C'est ça qui est bon. Attends, dès que je vais reculer, je vais avoir peur. Et où? Je te vois. Oh putain, alors là, là, là. Oh! Ah non. Si j'ai touché. Oh putain, mais pourquoi je prends un fils de sniper? Pourquoi? Pourquoi je me fais chier avec un fils de sniper? Honnêtement. Dites-le moi. Expliquez-moi. J'ai dû garder l'amplificateur de micro, le gain sur le micro. Du coup, vous allez avoir un son moisi. Je suis désolé. J'espère que je vais réussir à le régler. Et à le corriger comme il faut, comme un grand. Mais il y a peu de chance. Si j'y arrive, vous pouvez mettre que je suis un pro. Toutes les merdes qui sont arrivées d'un seul coup. C'est pas grave. Bon, faut la façon, c'est parce que j'ai repris les nocturnes. Du coup, j'ai plein de choses à modifier, à reprendre en compte. Mais... du coup, j'ai dû rajouter du gain sur Windows dans le micro. Et du coup, il faudra que je pense à le enlever. Enfin bon, ce n'est pas grave. Hop, on est bon. On a plein de thunes. On a plein de quêtes à aller rendre, mais ça, on le fera dans le prochain épisode pour aller les rendre donc aux bons endroits. Aussi, il y a cette quête-là à faire, mais je ne sais pas du tout où c'est. C'est dans la zone suivante, la zone d'à côté. Donc on ira la faire quand on ira dans cette zone. C'est la zone qui fera d'ailleurs ce truc-là. On ira aussi, histoire de pouvoir faire cette fameuse manche de la mort qui tue qu'on n'a jamais réussi à faire. Et le fond vert est à nouveau mort. Si tu veux bien... te corriger tout seul comme une grande.
Parfait. Donc oui, on ira faire la fameuse arène dans le prochain épisode. Vu qu'on est bulky maintenant et bien costaud et qu'on a de bonnes armes. Grâce au bonus de comment... de résistance et d'armure qu'on n'avait pas forcément à fond avant. Du coup, ça peut être sympa. Et puis on verra ça la prochaine fois. Salut les gens, à demain!